Nous voudrions donc, à la suite de Monsieur le ministre délégué, lancer un appel à tous nos frères d'armes qui sont à l'extérieur pour qu'ils viennent ensemble pour que nous puissions construire cette armée. Vous voyez, il faut le reconnaître. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont joué un rôle très important dans ce changement de régime. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont su à un moment donné que le combat ne méritait pas d'être mené. Nous, les chefs, nous avons fait défection. Eux, ils n'ont pas combattu. Et n'ayant pas fait, nous avons compris que quand la troupe ne prend pas de risques, les chefs ne doivent pas prendre de risques. Parce que le chef en lui-même n'est rien sans cette troupe. Donc ils ont joué un rôle capital dans ce changement de régime. Et pour cela, nous voulons qu'ils viennent pour que nous puissions nous asseoir ensemble pour voir quel visage donner à notre armée pour que notre pays ait une nouvelle armée. Donc nous leur lançons un appel, il faudrait qu'ils rentrent.